Quand Dieu t'a appelé, tu étais pasteur. Quand tu as eu un peu l'argent, tu as créé l'église. Il y a l'argent, il s'est créé l'église. Ministère le triomphe. Dédicace du temple, on va ouvrir bientôt. Vous pensez l'église est commerce. N'est-ce pas, David, tu n'es pas là même en tant que frère. Faut arrêter les bêtises là. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Tu es chant jusqu'à vie. Tous les chants dans le monde entier. Côte d'Ivoire complet. Quand ils font sortir les cassettes là, c'est Jésus qui chante, non? Même si le titre, ça ne veut pas dire Jésus, t'entends? Mais quand on entend dans leur chanson, au lieu de dire Dieu, Dieu, Dieu là, qu'ils disent Jésus aussi. Papa, papa, papa là, qu'ils disent Jésus aussi. S'il ne peut pas dire, c'est qu'il chante pour le diable. Parce que le diable même sait que Jésus est le Saint de Dieu. C'est faux, mais c'est vrai. La Bible déclare que le monsieur est possédé. Et c'est un possédé qui dit ça. C'est un démon qui dit ça. Donc, moi j'attends juste qu'il confirme. Dans 10 ans, vérifier toutes les cassettes qui sortent. Tu n'entends pas Jésus dedans, on met à la poubelle. Il y a un là. Les marabouts ont dit que c'est eux qui ont fait qu'il a prospéré. Il dit non, ce n'est pas marabout. Il lui a donné combien d'années? 3 ans. Depuis là, ça ne mousse plus. Il a blagué les jeunes gens, ils font les locks sur les têtes. Pour tout ce qui fait les dreux des locks là, pardonnez-vous, demande pardon. Un garçon ne doit pas avoir longs cheveux. 1 Corinthiens chapitre 1 et 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Vous avez oublié. Oh là là. 1 Timothée chapitre 2. On prend ça rapidement. On revient à ce que nous disions tout à l'heure. Moi, j'aime la parole. Tout le monde y est? C'est Corinthien, non? Un Corinthien 14. C'est ça? Un Corinthien 11. Verset combien? Verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. Faut prendre ta Bible, tu vas regarder. Toi, tu es garçon, tu aimes les longs cheveux. 1 Corinthiens 11, verset 14. Voilà mon fils Timothée, il était rasta aussi avant. Il faisait rasta avant. Oh là 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 là. Jésus, le Seigneur, Rastafari. Et puis, il fait cheveux là comme ça. Voilà lui, il est coiffé maintenant propre. Timo, lève-toi de voir. Voilà Timo. Il était rasta. Maintenant, il chante pour le Seigneur. Faut t'apprêter, on va aller poser la voix rapidement. On travaille dessus. Jusqu'à dans quelques temps, il faut que vos singles la sortent. Donc prépare-toi. 1 Timothée, 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Tu as entendu? Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Tu as compris? Une femme qui ne met pas voile, c'est sorcière parmi nous. Un garçon qui a longs cheveux, il n'est pas encore converti. C'est un païen. Dis avec moi, c'est un païen. Un païen à l'église. Plus fort, un païen, c'est un garçon qui a les longs cheveux. Et le Seigneur dit, c'est une honte. Ça veut dire qu'il déshonore Dieu, il fait honte à Dieu quand il vient prier pour les longs cheveux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Donc comment pasteur Mohamed Sanogo peut admettre qu'il a des chants dans les longs cheveux? Pasteur Mohamed Sanogo, s'il te plaît, il faut revoir ce côté-là. Arrête de laisser tes chants s'exhiber comme des PD, que ça rentre à tes oreilles. Je te parle en tant que prophète. Si tu ne crois pas à ça, je te parle en tant que homme de Dieu. Si tu ne crois pas aussi à ça, je te parle en tant que pasteur. Si tu ne crois pas à ça, je te parle en tant que homme. Dis à tes chants-là de couper les cheveux. Point final. Une église où les gens font des locks, le pasteur il est où? Pourquoi toi-même tu ne peux pas droit? Tu as peur de dire à tes enfants d'arrêter. Mais ce n'est pas une honte en soi. Tu lui dis mon fils, arrête ça, il ne veut pas, il sort de l'église. Il y a beaucoup d'églises. Hein? Il y a beaucoup d'églises. Hein, vieux père? Ce n'est pas comme ça se passe. Maintenant, c'est comme ça se passe. Lui qui s'amuse de dire son nom maintenant. Voilà propre. Je n'ai pas peur de quelque chose, ni peur de quelqu'un. C'est bien compris? Maintenant qu'il me montre un verset qui dit un garçon doit avoir les longs cheveux. Qu'il me montre. Oh, Samson, il avait les longs cheveux. Les plaisantins les chantent là. Il y a un qui s'appelle Samson dedans. Des plaisantins, ils chantent, mais il n'y a pas onction.
Pourquoi tous les jours ils invitent Koné Fontali dans leurs églises? Chanson, elles avaient combien d'années? Ton enfant même qui fait connerie là n'était pas encore né. Mais quand il veut chanter, il dit non, le vieux père. Pourquoi tu l'appelles le vieux père? Si tu es en chant, pourquoi tu l'appelles le vieux père? Voilà mon frère Nesso David. Pourquoi maintenant il chante, il n'y a plus en chant? Nesso David, tu dis maintenant, parce que tu es devenu pasteur. Quand Dieu t'a appelé, tu étais pasteur. Quand tu as eu un peu l'argent, tu as créé l'église. Il y a l'argent, il s'est créé l'église. Ministère le triomphe. Dédicace du temple, on va ouvrir bientôt. Vous pensez l'église est commerce. Nesso David n'était pas là maintenant en tant que frère. Pour arrêter les bêtises là. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Tu es chanté jusqu'à vie. Depuis quand Naoum, il est devenu pasteur après. Depuis quand Azaf est devenu pasteur après. Vous vous chantez là. Même Azaf, il est devenu pasteur aussi. Des conneries comme ça. Pourquoi maintenant vous chantez, ça ne mousse plus? Elle est, je ne sais même pas même. Vous voulez prendre la place de pasteur. Hein? On peut prêcher et puis chanter. Mais on n'est pas chante. Ce n'est pas notre ministère. Quand tu es chanté, c'est ton ministère. On peut t'appeler aujourd'hui d'exhorter le peuple. Tu n'avais pas dit que tu es pasteur. Exhortation, la même intérêt peut faire. C'est des conneries. Richard Crémé, fais attention un peu. Tu n'es pas pasteur. Voilà, fais attention. Parce que au fur et à mesure, vous êtes en train de mélanger tout. Et c'est les faux pasteurs qui ont fait la connerie comme ça. C'est les faux pasteurs qui ont fait ça. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Ma fille, il faut dire c'est n'importe quoi. Nesto David chante, il y a quoi dedans maintenant? Avant qu'on dise Nesto David, tout le monde est pressé pour avoir cédé. Mais il faut regarder. Faut y. Pépé, laisse après d'aller créer l'église là. Nesto David, du Côte d'Ivoire là. Faut arrêter ton affaire d'aller créer l'église. Arrête ça. Au-delà, il a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que je sais. Je prie pour eux. Mais Dieu me donne l'opportunité aussi, je tape aujourd'hui sur les chants. Arrêtez ça. Avec moi, arrêtez ça. Allez créer l'église. Bien, Kaiper. C'est lui qui a joué Taïeï, non? Ça a moussé. Il allait créer l'église. Il est où? Il est mort. C'est ce qui va vous arriver. Dieu l'a appelé, il est chante. Maintenant, il est devenu pasteur. Il allait créer l'église à Yopougon. Et il veut suivre aussi seulement créer l'église. Restez tranquille. Voilà le vieux Mawa Kone Fontali. Il est chante jusqu'aujourd'hui. Vous ne comprenez rien? Hein? Bible qu'elle est là, tout le monde peut lire. École biblique là, pour aller payer l'argent pour s'inscrire pour être formé là. Tout le monde peut faire. C'est peut-être pour augmenter ta connaissance. Mais ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Mon frère, oui. Je ne comprends pas. Moi, je suis là, je ne veux plus prêcher. Je tourne dans les églises, je vais chanter tous les dimanches dans les églises. 300 000, 300 000. C'est mon ministère qui est là. Demandez 300 000 au pasteur. Il faut montrer dans la Bible où est ce ministère là. Un bon jour, vous allez me dire que les chants du Côte d'Ivoire, ils ont raté leur base, leur vocation. Et il y a d'autres, mais ils ne sont pas mariés, ils ont enfants. Tu les vois chanter, ils ne sont pas mariés, ils sont enfants. Quand tu vas, première cassette que nous on a connue là, ça fait 8 ans. Tu regardes un petit enfant, il a goûté le chanteur de ton fils, lui c'est mon fils, il a 6 ans. Il a fait un enfant la première cassette là, avec une fille. Il n'a même pas honte de coucher avec une fille, à tchoukou, 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 sans mariage. Dieu nous voit. Vous allez mourir si vous n'arrêtez pas les bêtises. Vous pensez que Dieu, il est trop serré de vous. Dieu est trop serré de vous. Vous êtes trop arrivés. Regarde, il y a des jeunes gens qui sont là. Plein de nouveaux chants, plein de nouvelles chants. Votre temps est fini. Vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien créer. Répentez-vous pour que vous viviez un peu encore. Vous-même et puis vos enfants. Sinon, Dieu là, pour le ministère là, en tant que chanteur, votre temps est fini. Connerie comme ça. Il y a d'autres là, quand c'est cassette là, elle prend cheveux naturels. Ou bien, quand c'est pour faire clip là, cheveux naturels. Maintenant, quand on les connaît maintenant, tout le monde les aime, elle vient même mèche. Vous les chants bizarres, bizarres qui mettez mèche là. Hey, Jésus. Vous n'avez pas de place au paradis. Parole du Seigneur. Elles n'ont pas de place au paradis. Mèche pour adorer mon papa. Mèche pour adorer mon papa. Je n'ai pas dedans. Un jour, il a parlé ici de Dena Mona. Elle est venue faire concert à Abidjan. 300 000, 500 000 francs. Entrée 300 000, 500 000. 8 personnes. VIP 500 000, 300 000 francs. Depuis, j'ai parlé là, Dena Mona, elle ne m'ose plus. En ce moment, je ne connais même pas mais quelque part. Mais c'est 2018 ou 2019. C'est 2019. Vous venez en 2020, vers fin d'année là. Conseil, 300 000, un ticket. Tu as pris l'argent, mais tu as perdu l'onction. Dena Mona, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais l'avoir encore l'onction. C'est moi qui ai rendu témoignage ici. On ne te connaissait même pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit que
Le jour où le Seigneur me disait la mort d'Arafat à Sepsala, j'écoutais la chanson. Où elle parlait de quoi? Saint-Esprit là. Vous connaissez la chanson, non? La semaine là, bam, des millions de vues. Tous les Ivoiriens te demandent dans leur pays. Tu viens, tu nous vends un ticket à 300 000, 500 000. Toi-même, tu as déjà payé un ticket de 500 000? Demandez-lui ça. Comment pour aller regarder Dieu, son adoration? On paye 300 000. C'est du business maintenant, quoi. Vous êtes pire que les païens. Vous savez comment ils sont pires que les païens. S'il fallait faire un ticket à 1 million, bien 500 000, c'est son problème, ils ne chantent pas pour Jésus. Ils ne chantent pas pour Jésus. Si on ne veut pas vous donner les salles où les phallis s'en vont là, venez, il y a la rue, on met bâche. Nous, on va venir vous regarder. Mon frère, ou bien, si les gens ne veulent pas vous donner salles où, je ne sais pas encore, Davido, ils s'en vont chanter là. Parce qu'ils vous disent non, il faut payer tel montant là. À cause de votre ticket cher là, vous n'êtes pas obligé de chanter là-bas. Vous n'êtes pas obligé de chanter là-bas. C'est le jour où un chant va mourir en pré-concert au palais de la culture là. Vous allez arrêter vos conneries là. Dans un temps-ci, là, quand il y a un concert, c'est maintenant en fait demande en mariage. Depuis que tu la voyais là, tu n'as pas demandé en mariage. Des plaisantins comme ça. Mais elle est coincée, elle voulait dire oui, ou bien. Elle est en train de faire concert. Tu viens, tu as la bague dans ta main. Tu es ma femme. Elle est obligée de dire oui. Il n'y a pas de mourir. Toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu as commencé. Hein? Tu as commencé, ma fille. En fait, tu as été marié. C'est depuis l'année passée, le monsieur a demandé mariage. C'est faux, mais c'est vrai. En fait, tu as été marié. On fait des pantalons. En fait, tu as été marié. Tu es femme, moi je suis garçon. Deutéronome 22, Deutéronome 22, verset 5. Femme ne porte pas habit des garçons, garçon ne porte pas habit des femmes. Arrête, on fait des pantalons. Il faut dire, arrête ça. Elles ont le comportement des lesbiennes. Ça ne marche pas à moi. Je ne suis pas convaincu de toi. Je suis le premier dans tout Côte d'Ivoire à jouer à l'eau, à l'eau, à l'eau. Dans les rues, partout, et partout. Les gens ne connaissaient pas, ils me demandent, c'est qui chante. Et si tu vois, il y a du centre de parler là. Toi, il n'est pas dit, tu as mouru. Mais les choses, il faut arrêter. Parce que le jeune que tu sois, lui, là, c'est un païen. Ton manager, là, et puis ton arrangeur, là, c'est un païen. Il ne peut pas te donner conseil. Il faut lire ta Bible. Dieu va te donner conseil. Il faut t'habiller bien. Il y a beaucoup de jeunes, dans quelques années, ils vont vouloir faire comme toi. Le Seigneur m'a montré qu'il a dit, non, maintenant, c'est fini. Toi, mourir, tu as là, ton temps arrivé. Mais tu ne fais pas attention, ta vie sera raccourcie. Dis amen. C'est son temps qui est arrivé. L'Éden là, va lui. Faut-moi, l'Éden là, va lui. Mais elle ne demande pas conseil à un homme de Dieu. Et ça appuie sur les voix. Ce n'est pas voix qui fait que nous les chrétiens, on prend une cassette. Hein. C'est l'onction qui est dedans. Elle ne sent pas ça. Mais si on regarde, il n'y a plus d'onction. Mais on change de chaîne. Ma fille, au-delà, c'est boulet, boulet. Elle n'est pas loupé quelqu'un. Il a tout dit ce qu'il devrait dire. Mais il est caché. J'ai caché. J'ai dit tout ce qu'il devrait dire. Gloire à Jésus. Tout ce qu'il devrait dire, il a dit. Voilà. Maintenant, on revient à nos messages. Marc 1.